Konnichiwa les Kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour et aujourd'hui c'est le début de la nouvelle saison, la saison de Vancouver, donc on va découvrir tout ça ensemble. On va également découvrir le classement de la coupe classée, le résultat, eh bien il n'y a pas trop de surprises, normalement je me suis pas fait doubler parce que j'ai vérifié jusqu'à très tard. Eh bien voilà, saison de Vancouver accessible et on va découvrir les nouveaux persos et tout, ça va être top. Donc comme vous pouvez le voir à travers... juste le devant, je suis toujours deuxième, donc ça c'est très bien, c'est ce que je voulais être dans le top 3, et bien voilà, c'est cool. Allez, je suis deuxième, je passe en ligue 35, j'espère que ça va le faire, en ligue 35, j'espère que ça va pas être trop dur, normalement, hein, ça devrait le faire. Hein. Allez, je récupère les 20 rubis, 1200 pièces d'or, je vais avoir des tickets, alors 4 tickets de points de pilote, 4 tickets de points de carte. Il va y avoir les tickets. Voilà, 4 tickets de points d'aile. Bon, bah voilà, c'est nickel. Et j'ai fini donc à 43 407. Je n'ai pas du tout rejoué parce que je voyais que j'étais toujours deuxième. Donc voilà, jusqu'à tard. Et bon, je me suis dit que entre temps, j'allais pas me faire doubler. C'était sûr. Je récupère également mon bonus de connexion qui est de 100 pièces d'or. Alors, les actus. Et bien voilà, la saison de Vancouver, elle est ouverte. Les cadeaux du pass saisonnier, c'est Morton. Et pour le pass or, c'est Motoneige. Donc Motoneige, je pense que c'est un nouveau carte. Ouais, c'est un nouveau carte. Et l'aile... Ah oui, non, l'aile, on la connaît, il me semble, déjà. Alors, on va découvrir les lumières. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, j'espère que je vais la voir. Elle est magnifique, regardez. Harmonie Aurore avec la fleur de glace comme objet. Elle est mais trop magnifique. Oh, j'espère vraiment que je vais la voir. Oh, Comète Aurore. Oh là là, elle est très beau ce carte aussi. Oh, j'adore les couleurs. Et pour l'aile, donc c'est Voile Luma. Oh, purée, ça déchire grave. Hein, avec l'éclair en objet. Oh, ah ouais, oh, j'espère que je vais avoir au moins un des trois. Oh, Harmonie Aurore, mon dieu, je la veux tellement. Elle est trop jolie. Alors, mon shop. Eh bien, comme d'habitude, il n'y a rien. Allez, je récupère les tickets. Ticket objet aussi, voilà. Et je vais vérifier, eh bien, comme d'habitude, si j'ai quelque chose qui est proche. Ah bah, je vais l'acheter, l'Emmy. Allez, 800 pièces d'or, ça, franchement, ça vaut le coup. Et comme ça, il passe level 4. Si j'ai besoin de lui sur une coupe classée, eh bien, ça va bien m'aider. Alors ça, non. Bébé Harmonie, non. J'en ai acheté il n'y avait pas longtemps. Puis les rares, je ne les achète pas. On a un cadeau encore. Oh, ah là là, trop bien. 5 pièces d'or, j'allais dire. 5 rubis. Franchement, ça me fait vraiment mais trop plaisir, quoi. Alors, les nouveaux défis, voyons voir. Alors, réalisez 20 figures, faites mouche 3 fois avec une carapace rouge, obtenez 10 fois la mention excellente en réalisant un combo, ok. Faites mouche 3 fois avec une banane en une seule course, décrochez la première place 3 fois avec un pilote portant une robe, ok. Renversez 5 bonhommes de neige. Alors, passer dans tous les anneaux de l'épreuve bonus, ok, ah oui, ok, les anneaux à gogo de la coupe Mario, décrocher la première place sans vous faire renverser, et renverser 3 fois vos adversaires pendant un vol plané. Alors, les défis du pass or, profitez 3 fois d'une accélération, ok, faites mouche avec une carapace rouge. Décrochez 5 fois la première place. Terminez une course en mode frénésie. Obtenez un score d'au moins 10 000 sur un circuit A.
ensuite décroché 3 fois de suite la première place dans une course de catégorie 150cc, plané sur une distance totale de 2000 mètres ou plus avec un pilote moustachu, décroché 3 fois la première place en catégorie 200cc et décroché la première place 5 fois à Vancouver. Ok, bah voilà pour les défis standards et les défis du pass. Or, eh bien c'est parti, hein, on va se faire des tirs. Je suis à 112 rubis, donc je vais faire deux tirs de 10. Et oh là là, je croise les doigts, j'espère que je vais au moins débloquer des choses nouvelles. Et dans l'idéal, oh là là, j'aimerais tellement Harmonie Aura. Oh, un tuyau gold. Allez, je croise les doigts. Oh, allez. Normalement, je devrais avoir de la chance sur ce tirage, on sait que c'est un coup sur deux. Alors, rétro pour commencer, ok. Allez. Parapente. Dans tous les cas, si j'ai rien sur ce pack opening, Paracoccinelli, si j'ai rien sur ce pack opening, je pense que je vais tout faire pour essayer d'avoir Aurore. Harmonie Aurore, elle est trop belle. Oh, Roy. Allez. Chip Mobile. Allez, Aurore. Non, Turbo Birdo Ciel Bleu. Waouh, il est trop beau ce carte. Il est trop beau. Bon bah voilà, j'ai déjà débloqué quelque chose, c'est cool. Morton. Allez, Aurore. Aurore, je n'arrête pas de dire Aurore, mais non, c'est Morton encore, oh mon dieu. Je déteste avoir des doublons. Harmonie. Oh, oui. Alors, voile Luma. Oh là là, il est trop beau. Trop beau, j'adore. Ludwig. Oh, allez. Bon, je pense que c'est mort, là. C'est fini. Ah, bah, voilà. Bon, allez, j'ai quand même débloqué l'aile qui était en lumière et Turbo Birdo Ciel Bleu Ciel, qui est nouveau. Donc, c'est cool. Allez, on part pour le deuxième. Dans tous les cas, si j'ai rien, comme je vous l'ai dit, je referai. Hein, c'est clair. Hein. Je veux trop Harmonie Aurore. Elle est trop jolie. Allez. Ah oh mince, dommage. Bon, un tuyau vert, bon, c'est pas grave, j'ai eu quand même un tuyau gold, j'ai débloqué quelque chose qui était en lumière, donc c'est cool. Et je vous dis franchement, je vais farm les rubis là, et je veux absolument... Oh, j'aimerais tellement l'avoir. Allez, parapente. Allez. Iggy. Je sais qu'on peut avoir plein de rares et même de l'ultra rare dans les tuyaux verts, donc je croise quand même les doigts. Bébé Mario. Allez, mets-moi des trucs cool. Larry. Allez. Au moins des rares. Allez. Ah, bah voilà, là qui tue. Ok, bon, c'est cool, c'est pas nouveau, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Ça rattrape quand même, on sait que c'est un tuyau vert. Ah, bah voilà, Mario. Bon, bah voilà, si j'ai du rare, c'est cool, parce que voilà, je les achète pas dans le shop. Autant que je les débloque dans les tuyaux verts. Lemmy. Elle en papier. Ah, Peach, cool. Super cool même. Allez, mon du rare. Et bah voilà, parachute carapace. Ah bah franchement ça va, il est pas dégueu ce tuyau vert. Il est pas trop mal. J'ai quand même eu 4 rares. Donc non, bah c'est cool. Franchement c'est cool. C'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu eh bien, les nouveautés sur cette saison. Parce que je les ai pas regardés, donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Et ben voilà, on a Birdo bleu ciel qui va avec son Turbo Birdo. Elle est toute mignonne en bleu comme ça, elle est toute rigolote. Enfin, je dis Birdo, mais c'est Birdo, pardon. Alors, oh là là, Harmonie Aurore, elle est trop belle. J'ai aucun perso en plus avec la fleur de glace. Oh, j'aimerais être... Oh là là, il déchire le Wario Camper. Franchement, il est trop stylé, quoi. Oh, franchement, il est vraiment, vraiment cool. Mais bon, je préfère quand même Harmonie Aurore. Alors, pour les cartes... Eh ben voilà, il y a forcément donc Turbo Birdo Bleu Ciel, qui est super mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Cool. Alors, il y a le celui qu'on a en cadeau. Il est où? Ah bah voilà, il est tout en bas. Ah bah il y a Comète Aurore.
Et donc, c'est, je sais plus quoi, Autoneige, il me semble. Motoneige, franchement, il claque. Hein. Oh, vous avez vu les cartes, j'ai pas grand-chose, il m'en manque beaucoup. Hein. Oh, regardez tout ce qui me manque, oh là là. Alors, dans les ailes, ah bah voilà, on a Elle Fleurie Émeraude, super jolie, j'adore. J'aime beaucoup le bleu, franchement, super joli. Et alors après, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y avait celui du cadeau, mais ça, c'est pas nouveau, je crois. Hein. Il me semble pas que ce soit nouveau. Hein. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais il me semble pas que qu'il est nouveau, celui-ci. Hein. Oh là 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 là, étoile arc-en-ciel, magnifique. Oh, j'adore les couleurs pastel. Alors, tout ce qui est couleur arc-en-ciel, franchement, je kiffe, mais grave. Hein. Et bien voilà pour les petites nouveautés et puis bah voilà Luma que j'ai débloqué dans mon pack opening, donc c'est bien cool tout ça. Comme je vous l'ai dit, je vais refaire un pack opening, c'est certain. Franchement, je veux trop essayer d'avoir Harmony Aurore, elle est trop belle. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez débloqué vous aussi pour ce pack opening. Franchement, je suis très contente d'être à Vancouver pour cette nouvelle saison et j'espère que ça va le faire sur les nouvelles coupes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Eh bien, je ne sais pas, ça sera la surprise, le thème de ma prochaine vidéo. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, mettez-moi un maximum de pouces bleus et surtout n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Des bisous les kibichis.